Bonjour à tous. Bon, là, il est 8h du matin, il fait déjà un temps super. Là, je suis toujours sur la plage de Bonifacio. Je vais repartir dans quelques minutes. Mon chariot est prêt. Je voulais apporter quelques précisions par rapport à mon petit film d'hier. Bon, je voulais rajouter que j'ai rencontré Marina et Stéphane qui ont été exceptionnels avec moi dans les Pyrénées là-bas. C'était vraiment de belles personnes avec qui j'ai passé un super moment et qui se sont bien occupées de moi. Notez aussi que durant ce périple, j'ai bouffé une paire de chaussures. Elle est complètement à out la chaussure, la paire. J'ai jeté aussi des chaussettes au bout de l'usure, et plus rien à faire. Et donc voilà, et parler un peu aussi de mon chariot. Mon chariot, je ne sais pas s'il va aller jusqu'au bout. Il est déjà un peu fatigué. Bon, il faut dire que je ne lui fais pas de cadeau non plus, mais quand même. J'ai commencé déjà à le rafistoler, à le resserrer. J'ai le bâton, enfin j'ai un rayon d'une roue qui est cassé. Vu que c'est du plastique, je ne vais pas pouvoir y faire grand-chose. Mais pour l'instant, il est en place, il ne bouge pas, donc je pense que ça va durer un petit moment. Et puis, vu l'épaisseur des rayons, je pense que je peux me passer d'un seul pendant un petit moment. Mais ça va être chaud. Après, je verrai, suivant comment va se passer le GR20, sans lui, je verrai ce qui pourra se faire après. Voilà, et puis pour ces petites conclusions supplémentaires. J'avais pris des petites notes, je suis en train de regarder un petit peu. Si à Marseille j'ai voulu faire quelques courses à Décathlon, le Décathlon, bon, il y en a plusieurs à Marseille, mais celui où je suis allé était dévalisé, on va dire. Donc j'ai pas trouvé grand-chose, je me suis juste racheté un sac à dos un peu plus petit que celui que j'ai. Le mien, il fait 70 litres et plus, donc c'est beaucoup pour le GR20. Et comme on sait tous, ça c'est comme le garage à la maison. Plus c'est grand et plus on en met. Donc voilà, sur le GR20, je vais emmener que le strict minimum. Donc je me suis racheté un 50 litres qui va faire l'affaire. Voilà, bon, je vous souhaite une bonne journée à tous. Et puis, tchuss, topette et à la prochaine vidéo. Ciao!